Chori Effendi est une figure centrale de la religion bahaï. Il a été nommé comme le gardien de la religion bahaï. Chori Effendi est le petit-fils d'Abdu'l-Baha, qui lui-même est considéré comme le centre de l'alliance, vers la figure vers qui on se tourne. Et Chori Effendi est également une figure centrale qui a permis de conserver l'unité de la communauté bahaï. L'œuvre de Chori Effendi est connue pour deux éléments principaux. Le premier élément, c'est que Chori Effendi, qui a été même à Oxford pour parfaire son anglais, a traduit en anglais une partie importante des livres saints bahaï, des écrits de Baha'u'llah et d'Abdu'l-Baha. Et donc on peut se tourner vers les traductions de Chori Effendi, qui sont des traductions de référence. Le deuxième élément pour lequel Chori Effendi est connu et a un rang particulier dans la religion bahaï, c'est qu'il a consacré les années de son ministère à parfaire et à mettre en place le système administratif, l'ordre administratif qui a été élaboré par Baha'u'llah lui-même. Il faut savoir que dans la religion bahaï, tout le système administratif, toute l'organisation a été prévue par le prophète dans le livre saint. Et c'est Chori Effendi qui, durant les 36 années de son ministère de gardien, a pris soin de s'assurer que l'ensemble des bahaïs du monde entier comprenaient et mettaient en application chacun des éléments de l'ordre administratif qui avait été élaboré des années plus tôt par Baha'u'llah dans ses écrits.